ça vous tue. Je vais soigner. Bien sûr, je ne tue pas les gens. Est-ce que vous avez remarqué ma nouvelle coupe de cheveux? C'est une personne qui m'a donné ses cheveux. Volontairement. Comme quoi, on obtient tout des gens lorsqu'ils ont un couteau sous la gorge. Enfin bref. Je vous écoute.
C'est juste une petite piqûre, une petite prise de sang. Attention, ça arrive d'un. Ça ne sert plus à rien.
ça fait trop pas, j'ai vu du propre. J'ai vu du propre, franchement. Ah ouais, franchement, je devrais faire tatouer. Ça va passer avec le temps, d'accord. Ok. Ça vous fait mal. Vous ressentez une douleur, d'accord. À quel niveau? D'accord, là où j'ai fait des piqûres, ok. Je vais checker un truc, parce que des fois ça m'arrive d'oublier un morceau de piqûre. Vous savez, des fois les piqûres se cassent. Des fois il y a un petit morceau qui reste dans votre bras. Ça arrive régulièrement. Faites surtout avec moi, quoi. On va checker. Juste avant, histoire quand même que je ne fasse pas n'importe quoi. Ah non, tout a l'air bien. Tout va bien. C'est juste que la piqûre, la première piqûre est un peu profonde. Je suis allé un peu trop loin. Je sais pas pourquoi j'ai tendance à croire que. Enfin non, l'os il est pas aussi profond. Du coup, voilà, y a pas de problème par rapport à ça. Ça va cicatriser d'ici quelques temps, d'accord. Voilà. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Non. D'accord. Ok. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée alors. Reposez vos pieds. Et surtout le bras. Reposez le bras. Ouais. Très bien. Je vous souhaite une excellente journée. Surtout, méfiez-vous des castors. Ah, ils sont sévères, ceux-là. Niasatite, ça me dit quoi ça? Niasatite, est-ce que ça fait plutôt méchant ça?